la question s'est posée de savoir ce que je voulais enregistrer. Instinctivement, j'ai tout de suite pensé au Sonate Partita parce que c'est vraiment un texte fondateur en fait. Puis tout de suite après, je me suis dit, mais t'es complètement folle, il va pas commencer par l'Himalaya. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir une interprétation pour toute une vie et je pense que si j'avais pas commencé, après j'aurais. Je sais pas si j'aurais osé en fait. Ça fait partie des morceaux avec lesquels je chemine le plus longtemps en fait, parce que souvent on commence assez jeune à faire du bass. Et donc moi j'en ai joué assez petite, même dans la rue, dans plein de situations. Donc j'ai vraiment grandi avec et ils ont bien sûr évolué en même temps que moi. Say Solo, en fait, c'est le titre de l'œuvre, c'est écrit de la main de Bart. On a la chance d'avoir un manuscrit magnifique. Et donc Say, ça veut dire 6, Say Soli, ça aurait voulu dire 6 œuvres. Or, il ne l'a pas accordé, il a marqué Say Solo. Et donc, il y a aussi cette ambiguïté, tu es seul. Et ça résonne d'autant plus qu'on sait qu'il a écrit ça en rentrant d'un voyage et il a appris que sa femme était morte et enterrée. Et donc, c'est vrai que dans. Enfin, c'est 6 sonates et partitas. Il y a vraiment une architecture avec une clé de vie qui est peut-être la chaconne. Et il y a un avant, un après. Et il y a après cette chaconne, on passe en majeur. Donc il y a un peu l'idée de la transfiguration de la douleur. Ça questionne la mort tout le temps. Et donc ce titre, il est pour moi, il est essentiel. Donc c'était important qu'il soit pas effacé en fait. On enregistre, on peut pas ne pas se poser la question de l'instrument, de l'esthétique, même si c'est peut-être pas ça le cœur du sujet, c'est quand même un questionnement qui est fondamental. C'est préparer ce projet d'enregistrement qui m'a vraiment poussé à explorer en fait l'arché baroque. J'ai vite compris que ça allait être compliqué de faire marche arrière parce qu'il y a quelque chose de vraiment organique dans la manière d'articuler, d'avoir des appuis, la manière dont ça parle, dont ça rebondit, ça a été écrit pour cet instrument-là, en fait.